que vous l'entendiez, les musulmans qui, eux, vivent, la grande majorité des musulmans vivent en parfaite harmonie, en respectant les droits de la République, en la défendant, eux vous disent qu'ils ne supportent pas que tous les jours, il y ait une saillie contre l'islam parce que ça les touche. Est-ce que vous entendez cela? Est-ce que c'est possible d'être entendu? Mais que les musulmans de France se sentent parfois injustement accusés, je l'entends, je le reçois, et c'est une grande injustice. Mais enfin, nous vivons dans un pays, monsieur, où il y a eu depuis 18 mois 238 morts au nom d'un islam dévoyé et sali par des barbares. Mais demain, quand il y a un problème dans l'Église catholique, celui qui va à la messe, il n'est pas pédophile pour autant. Mais il se sent interpellé par ce qui se passe dans sa religion. On ne peut pas dire que les musulmans de France ne sont pas interpellés par le dévoiement, par des barbares et des déséquilibrés d'un islam qui les fait souffrir. Lorsqu'il y a des mosquées qui sont prises en main par des extrémistes, c'est aussi le problème des musulmans de France.